Jeudi à ce jeudi 16 novembre 2017, il fait 5 à 2 minutes dans le matin. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Port, Signal FM 90.5. C'est quatrième sortie journal, Signal sans force côté qui entre la caillou pour semaine ça. Mes titres qui dominent l'actualité. Paquet Port-au-Prince lance un mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard, ancien ministre de Justice et Sécurité publique là, pour mettre la patte sous lui, quel que soit côté la police joigne lui. Yon copie mandat ça déjà adjoint direction départementale l'Ouest, police DDO. Commission Justice et Sécurité ak droit moun nan chambre basse la rencontré ayer mercredi 15 novembre lan ministre Justice ak Sécurité publique la. Rencontre ça te déroulé sous divers points parmi yo lutte contre détention préventive prolongée. Ministre Justice lan annoncé la prend sanction contre tout substitut commissaire gouvernement qui t'a impliqué dans libérer trafiquant moun yo. Ministre Edu Fortiné fait quoi tout, pas gen aucun trace qui montrait Jean Danton Léger te by l'ordre pour libérer moun nan kada dossier Calico Bicha pendant te ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince. Haïti dossier Petro-Caribé, ancienne ministre tourisme Stéphanie Balmy-Villouin, déclaré sénateur commissaire yo longe douette sous l'imal nan rapport sous l'agent Petro-Caribé. Madame Balmy en fait qu'on est 13 erreurs graves dans le document si là. Visite première dame République la Martine Moïse ayer mercredi à dans l'hôpital Espoir dans Delma 75. Visite ça t'est entré dans cadre démarche Martine Moïse a mené pour mettre programme identification tout simon dans tout l'hôpital dans pays a. Haïti est membre Conseil international coordination programme pour moun ak biosphère MAB dans UNESCO. Dans le cadre d'une élection qui était organisée le 9 novembre 2017 là, dans le siège social UNESCO dans Paris, dans le pays de la France, Haïti remporte l'élection ça à 116 voix sur 156. Plusieurs organisations haïtiennes droit monde parmi yo gare ak service jésuite ak réfugiés yo remettre mardi 14 novembre là yon pétition qui gagne 3000 signatures là-dedans by ambassade américaine sur route tabac pour mander gouvernement américain prolonger TPS là pour haïtiens yo. C'est titre ça yo ak quelques autres qui pral faire essentiel journal Signal sans force côté pour jeudi 16 novembre là. Restez branché n'a retourner dans quelques secondes pour développement titre yo. Signal sans fausse côté. Si Desco toujours été branché 90.5 lan à 3wsignalfmhaiti.com pour informer ou dans l'ESA. Mais journal là en détail. Manœuvre technique Serge Saint-Fleur, production Ferro des Sources, coordination Josué Lexido, en bas supervision Tom Dumont, rédaction Arnold Dorcius et encore présentation Arnold Dorcius. Journal sans fausse côté. N'a pas démarré à cadeau c'est la justice, mais nous parler dans le Parlement haïtien pour nous faire connaître commission justice, sécurité à droit moun. Dans la chambre basse, l'a rencontré mercredi à ministre justice et sécurité publique. L'an. Rencontre l'an t'est déroulé sous lutte contre détention préventive prolongée, sous diverses et sous services circulation sous machine qui gagne vite teinté à circulation tout sous armes illégales. D'après président commission Silla, député Clovis Roba qui montrait le satisfait à rencontre là annoncé yon l'autre rencontre pour semaine k'ap vini là ak directeur général la police là Michel Ange Gédéon. En écouté président commission député Clovis Roba nan micro Josué Lexidor. Gagné les prisonniers qui en détention préventive illégale yo te voye yon lettre bay président Jovenel Moïse pour t'expliquer te situation yo en dans prison pour te dire pas capable encore. Nous connaissons tout question moun kap marcher voler tes moun dans toute circonscription dans pays a gen des moun même qui même prétendent que commissaire de gouvernement juge de connivence avec notaire apprenteur kap accompagner groupe moun kap fait faux papier pour voler tes yo et gagne un problème circulation qui posait par exemple jodi a dans la ria ou pas ka konn qui est machine côté gain insécurité qui a monté de jour en jour plus ou pas raconte qui machine qui gain droit pour le teinter qui est-ce qui pas gain droit pour le teinter qui machine qui gain droit pour le gain sirène qui est-ce qui pas gain pour droit pour gagner et même gain machine la police qui a machine la ria sans plaque
ministre d'abord li gagné c'est une séance qui a en continuation parce que gon ensemble de questions qui pour épuiser pour toucher parce que moun qui pour répondre yo pas là. Par exemple, il a parlé de questions de désarmement, bien que le ministre lui-même lui coiffé sécurité publique, là, certes, mais c'est le directeur général de la police ça, qui peut parler, parce qu'il n'y a pas blessé en dedans, qui gagne et BLTS et qui c'est brigade de lutte contre les trafiquants de stupéfiants. Il ne faut pas oublier qu'une arme à feu constitue un élément de stupéfiant. Parce que stupéfiant qui s'allie son bagage qui a fait ou stupéfié, un bagage qui a fait saisir, qui a fait printemps. Une arme à feu, eh bien, illégal, sont stupéfiants liés. Donc, il y a un BLTS qui l'a pour ça. Donc, le gars, il y a un qui tendait les autres stupéfiants, ou seulement dit drogue. Non, stupéfiant, c'est tout bagage qui a stupéfié. Tout bagage qui est capable de mettre dans une situation pour s'en ou saisir, ou dans une situation difficile, c'est stupéfiant lié. Donc, trafic illégal à ma façon stupéfiant lié. Donc, c'est bien BLTS là qui fait partie de la police là. Gagnons un paquet d'unités. Par exemple, Brissif là tout, contre Volette, elle fait partie de la police. Donc, c'est directeur général de la police à quoi le cap qu'on est et pour répondre et pour le directeur police routière là tout cal parler parce que pas oublier l'on machine à circuler sans plaque, gagne kidnapping, gagne tout zak malhonnête cap fait et vite machine dans teinté encore et le pas gagne plaque. Son gros bagay, laisse à si machine ça ouvert, katouche tout on série de monde. Qui sont gagné en main comme élément identification pour capable au moins pointer machine ça du doigt. Rien. Donc c'est une série de gros bagay qui bail problème et que nous-mêmes nous inviter mini justice là accompagné de chaque autorité concernée, les commissaires de gouvernement, les responsables de la police pour capable répondre sous question ça. Voilà, au tap côté est député Clovis Oba, les mêmes qui c'est président commission justice à la sécurité dans la chambre qui piba. Pendant la tap discuté tout avec commission justice à la sécurité publique là, ministre justice à la sécurité publique qui t'es chita parler à Kamaba, commissaire Sayo et dans la chambre qui piba, promettre pour le continuer travail pour permettre l'ite compte détention préventive prolongée à continuer faire chimélé dans toutes 18 juridictions en pays à. Ministre Edu Fortuné qui dit la satisfaction fait ak rencontre si la, rappelé li déjà visité pénitencier pour en qui façon li capable libérer quelques prisonniers qui méritaient libérer. En côté ministre justice là et dit fortuné dans micro Josué Lexidor. Je vais faire une convocation pour nous venir répondre aux préoccupations gain à certains dossiers qui ont défrayé la chronique à propos principe particulièrement. Bon, détention préventive prolongée, il y a une nomination qui est en cours, qui peut arriver à aboutir, mais le ministre n'a pas responsable de ça. Et puis, il y a une prison en tout, une situation pénitentiaire nationale là, qui nous parle de ça. Il y a un autre problème encore. Ça, c'est un gros problème. La semaine dernière, nous étions en pénitentiaire et que la façon dont les prisonniers vivent là est vraiment déplorable. Est-ce que ce problème est parce qu'il posait? Je ne pas penser ça. Ce problème, parce que vous regardez le nombre de monde qui sont en prison, avec le nombre de condamnés gains, donc vous avez l'impression que c'est juger ou pas juger. Mais c'est vrai que la prison pénitentiaire a été faite pour 800 monde, mais il y a 4000 monde qu'on y a. Donc, nous parlons de cellules avec des parquetiers, avec des gens qui ont l'inspection judiciaire dans le ministère. Pour nous regarder comment nous travaillons, pour nous déblayer les pénitentiaires. Je ne vais pas opiner sur ça, parce que DG, nous, DGPNH, nous avons une réunion, nous allons le faire tout à l'heure sur le dossier ça. Donc après ça, je vais nous prendre du temps. Ministre Edi Fortuné, pendant que tu as discuté avec le député membre de la Commission justice, sécurité et droit moun dans la chambre, le ministre l'en fait quoi après? Il y a une rencontre qui a gagné avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Oknam Klame Dameyus, avec 5 autres substituts commissaires gouvernement. Il y a fait quoi pas aucun ordre de libération? Mettre Jean Danton Léger Tabay, il y a quelconque substitut pour ta libérer moun dans le cadre de dossier Calico Beach. Jean Sata Febri pendant toute semaine. Nan. Ministre et du fortuné li annoncé donc journée jodi a la prend sanction contre tout substitut qui t'a impliqué dans dossier trafic moun sa ou la dan te grand pile timiné la dan donc en côté ministre et du fortuné nan micro Josué Lexidor. Nous t'ai convoqué dans ministère 5 substituts accompagnés de chef paquet et magistrat Oknam sous dossier Calico justement. Nous ne sommes pas honnêtes si le dossier Calico a fait tout tôler ça dans le milieu judiciaire avec dans la presse, qui ne relève pas la presse. Et puis pour nous-mêmes comme responsables, nous ne prenons pas décision, nous ne mettons nous au parfum pour nous connaître ça. Dans ce sens, hier, nous avons auditionné 5 substituts qui sont accompagnés de chef parquet. Nous pouvons prendre une décision, mais nous avons assuré nous une décision pour le prendre. Mais si je ne peux pas sortir, même assurez-nous qu'il y a une décision qui parle. Chaque monde a des implications dans le dossier Calico. Chaque monde a des implications. Et d'ici 24 heures,
n'a pas ça sorti comme sanction et comme décision. C'est vrai que bon par contre qui aussi nous pas substitution. L'état semble que dans le dossier et il t'a cité non chef paquet ancien chef paquet. Mais par contre même dossier n'a pas l'air pas d'un côté nous voit que chef paquet ancien chef paquet t'est signé ou t'est prendre décision dans le dossier. Par contre on substitue pas venir dit que c'est X c'est ancien commissaire X ou Y qui te bon l'autre pour me faire tel bagaille. Dans sens ça le parquet n'est plus indivisible. Ou prend décision, on va pas assumer. C'est ou bien commissaire Mando, commissaire en question, bon l'autre, ou dit ah, CG, faut bon on décrit, c'est pas l'exécuter le tout, ou mettre le dossier. CG, sous le point de mes dossiers prend décision. Mais ou pas qu'à venir dire que c'est X ou Y qui te bon l'autre, qui va me faire tel bagaille. Voilà, on t'a écouté ministre de justice Eddy Fortuné, les mêmes qui dédé dans chambre Kibiba. N'a pas toujours continué avec un dossier parlement, mais nous pour aller dans le Sénat République là. Président Sénat République là confirmé séance pour sénateur yo fait débat sous rapport commission sénatoriale spéciale qui t'a approfondi enquête à commission éthique et anticorruption sous gestion fonds Petro-Caribéa a fait jeudi 30 novembre 2017 là. Sénateur Youri Latortue qui encourage collègues Léo pour venir faire débat sur rapport ça déploré Haïti prend 175e place alors qu'il était 69e place dans indice corruption dans sens ça sénateur Youri Latortue lui-même l'y encourager et parlementaire par Léo faire débat sur rapport si là en écoute sénateur Youri Latortue dans micro Josué Lexidor il présente rapport là sénateur m'a donné délai nous prend le jeudi 30 novembre à 2h. C'est-à-dire tout sénateur informé, population pour aller garder débat. Je dis à 2h. Moi-même, je ne suis pas pour m'entrer dans le fond débat. Moi, je fais un rapport que je remette. Moi, j'étais attaché à rapport là, le sambat président. Je dis à moi simplement rappeler sénateur que malgré qu'il étudie sous forme, mais tout le monde qui a gardé pays, 192 pays qui sont dans les Nations Unies, qui a gardé nous, pour prendre un seul mot, nous sommes de 89e. À 175e dans l'échelle corruption. Ça veut dire qu'on a un problème dans le pays. Si on a un problème, on nous résout. On a respecté la forme, on a respecté tout le bagaille, mais ça veut dire que si nous prenons train ça à nous doubler de 2002, regardez qui l'a eu, rapport Paul Denis, à presque 2013, Petro-Caribé, ça veut dire que nous presque doublé. Donc, on a un problème dans le pays. Sénat, qui a pris la responsabilité, le grand pile sénateur là, qui c'est des mondes indépendants, qui viennent là. Même si on est dans un parti, ils viennent faire travail là. Moi, je compte sur eux parce que 89e à 175e place dans l'indice de la corruption. Voilà, on a écouté président Sénat République là, Youri Latortue. Président commission sénatoriale, Évalier Beaublanc qui rappelait tout sacrifice commissaire yo fait pour produire rapport ça déplorer attitude collègue Lio qui patrie veut faire débat pour te voter document si là et les nord-ouest là qui constatait même gens avec en pile et mon dans secteur là donc sénateur continue à faire dilatoire dans grand quoi donc dans sens ça limande des peuples haïtiens pour prendre note sous dossier ça en temps d'explication sénateur Évalier Beaublanc dans micro Josué Lexidor. L'histoire apprend note que tout ça te doit mettre comme capacité, tout ça te doit mettre comme force, tout sacrifice nous te doit faire pour que nous travaillons pour rendre document ça possible et soumettre à appréciation sénateur nous faire. Nous voulons que le peuple haïtien prenne note que destin peuple là, c'est dans mes liens. Destin peuple là, pas dans même seulement, pas dans même chagrin sénateur, ni dans même peuple haïtien. Chaque fois nous gardons nous-mêmes négligés, la prenons responsabilité face à destin nous, nous va comprendre en tant que pouvoir nous faillir à l'ichon. Si c'est si le sénateur Nenel qui a responsabilité pour le prendre par elle, ou qui a responsabilité ou même tout, comme nous, l'agent ça, ce n'est pas l'agent Sénat République là, ce n'est pas l'agent pouvoir exécutif là, c'est l'agent Haïti. Même le Sénat ça va là, même le pouvoir exécutif ça va là, petit ou à payer. Souhaiter ou regarder séance, ou regarder dilatoire, des fois qu'on fait pour côté sénateur Beaublanc, parce que vous faites un pile dilatoire, il y a un pile qui vient parler, et si le peuple haïtien n'a pas compris que ça qu'on fait là, c'est de manière à se ridiculiser, gabji qui fait là. Gaspillage qui fait là. Hein? Bonjour, président. Voilà,
sénateur Evalier Beauplan lui-même qui a dit tout sacrifice il a fait pour arriver produire rapport si là même lorsque Stéphanie Balmé lui-même n'y fait quoi rapport ça gagne 13 erreurs la donne mais quand même il a demandé et pour société à eux-mêmes il prend note sur rapport si là n'a pas continué avec l'autre dossier n'ayant communiqué pour la presse mission protestante Union évangélique baptiste d'Haïti mettait d'ailleurs il a démenti version la police bail qui fait qu'on est c'est seulement 3 monde qui mourent dans cadre dossier opération la police lui-même a témoigné lundi 13 novembre passé à dans grand ravine côté te gain deux policiers Idmo et même qui mouri Dieu donné ceci a dit nous plus dans un papier notre mission protestant Union évangélique baptiste d'Haïti fait qu'on est te gain unité la police en cagoule qui était entré sans avertissement sous compostline dans bolos à 261 route Soudal depuis avant 5h dans matin jour qui était lundi 13 novembre 2017 là. D'après notre là, sous terrain Bolos là, il y a un bureau quartier général mission hein, qui fondé depuis 1928 avec collège évangélique Maranatha, il était fondé depuis 1956. Yon l'autre bord, responsable a dénoncé un pilrimé qui pas correspond du tout à ce qui passait à cap circulé sur réseaux sociaux. Mais ça qui vérité pour tout le monde connaît, policier ont arrivé dans l'espace collège Maranatha depuis bien bonnet. D'après notre là, directeur Armand lui vient arriver vers 8h45 malgré au fait le connaît, il y a une grosse pression dans zone là. L'arrivée, les policiers ont déjà amené l'opération, alors que plusieurs élèves ont rentré vers l'école. D'après le un échange coup de zame entre policiers et civils armés qui étaient entrés dans la cour d'école là. Il y a deux policiers qui mourent dans la bataille ça. Après ça, policiers ont fâché, ils ont tiré gardien la cour à qui un professeur collège là, à qui un étudiant section technique Maranatha. Selon ce qui est écrit dans notre là, dans l'opération, la police a arrêté plus passer 30 monde. Yo frappé ingénieur Armand lui, directeur collège là, membre comité exécutif UEBH là, et ancien membre yon commission présidentielle, et puis yon minoté li mené nan dede yo, en bas gros accusation qui pas semblé dit tout à personnage là. Ces dirigeants Union évangélique baptiste d'Haïti yo comprennent, policiers gen doit vexer sous Jean-Frère Amio tombé, mais yo condamné comportement agent yo sitôt envers Armand lui, yon citoyen tout le monde connaît, lycée yon personnalité respectable, et qui sacrifie li pour tout si moun zon nan jwenn éducation. Pour finir, mission Union évangélique baptiste d'Haïti réclamé pour autorité pays à mener une enquête pour découvrir dans qui condition voyant policiers yo ak civil innocent yo tombé en bas balle dans la cour collège Maranatha. Pour nous répéter ça qu'écrit dans notre là, massacre ça qui arrivé dans campus UEBH là doit attirer conscience toute société à sous condition moun a vivre dans ravine, yon quartier qui tankou yon bombe qui ka exploser à tout moment si yo kite zone nan continue la jikol sans contrôle comme ça. Dirigeant Union évangélique baptiste d'Haïti yo souhaitait que ça marche bien pour pays ya et pour quartier Grand Ravine. Dieudonné Saint-Cyr, Signal FM. Signal sans force côté. N'a pas continué, ministre Éducation nationale ak formation professionnelle l'embaye explication sous élection Haïti comme membre conseil international coordination programme sous moun ak biosphère MAB. D'après ministre Pierre Josué Agenor Kader, dossier élection ça c'est équipe de délégation permanente Haïti dans UNESCO qui t'emmenait depuis mois juin 2017 là. Élection ça c'est un programme scientifique intergouvernemental qui visait établir une base scientifique pour améliorer relation entre habitants planète là avec environnement naturel là dans niveau mondial. En écoute explication ministre Pierre Josué Agenor Kader qui tape répondre question Franz Exantus dans rubrique invité journal Réveil Info. On a parlé tout de UNESCO. Et d'abord, il faut que nous disions, et c'est pas qu'on s'est rentré depuis où tu dis que ça nous pote, mais il faut que nous disions depuis en 2015, Haïti était déjà élu dans le conseil exécutif UNESCO. Donc ça, c'est déjà en visibilité pour Haïti. Et je dis à lui-même, eh bien, Haïti est élu, eh bien, lui-même, comme dans le conseil coordination MAP. Et Mabla lui-même, c'est là qui. Donc, nous disons aujourd'hui là, Haïti lui-même est élu dans la question MAB, qui s'occupe de l'affaire ou à rapport l'homme avec biosphère. Eh bien, qui nous a dit comment procéder à lui-même de faire pour Haïti arriver là? Eh bien, en Haïti, nous avons une commission nationale qui porte le nom Commission nationale UNESCO, qui travaille eh bien, de concert avec UNESCO. C'est le Conseil national UNESCO qui te soumet le dossier là, qui, dans le dossier ça, nous a montré. Qui est fort pays d'Haïti a fait dans affaires biosphère et côté l'homme doit protéger et réserver. Et pas oublier que aujourd'hui, dans le monde, il y a 669 réserves.
Et dans 669 réserves qui sont dans le monde blanc, et bien Haïti a deux dans eux. Youn qui dans la selle et qui font transfrontalière avec la République dominicaine et on l'autre qui dans qui bon la selle c'est dans le sud-est, nous on l'autre qui dans le sud-ouest, bloc Jérémy, et bien c'est la route. Donc on a deux réserves et bien c'est tout ça nous démontre importance protection réserve là. Et bien qui nous dit grande importance ça toujours parce que ça capable bail pays bon ça c'est pas même capable bail ça a bail pays en véritable visibilité. Visibilité pour touristes, parce que l'on parle des réserves, la selle, la route, et bien, il y a un touriste qui a envie de visiter la réserve Saoudabi d'Haïti. Mais visibilité tout pour protection écosystème, pour montrer comment nous-mêmes en Haïti, on connaît, et je dis à gouvernement, et administration Moïse Lafontaine, et avec le ministre environnement et Pierre-Simon Georges, et bien, il y a un pile d'agrès qui a fait à travers PIA. On a quatre pour mettre campé et bagaille pour capable protéger la nature et pour capable protéger et bien réserve yo et bien c'est comme ça et bien nous montrer que le gouvernement lui-même pays a fait un pile effort dans cadre et bien question et l'homme avec la nature. Voilà, au tap côté ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet. Élection ça t'est faite jeudi 9 novembre 2017 là dans siège social UNESCO dans pays la France. Haïti remporte élection ça, nous te dit déjà à 116 voix sous 156 voix qui donc Haïti occupé poste ça pour 4 l'année encore donc qui c'est en 2021 élection en fait pour élire l'autre pays dans tête programme ici là d'après ministre Agénor Cadet. Après poursuivre programme ça qui pote non compte moins compte, c'est une initiative première dame République l'en prend pour identifier tout petit monde sous tout dans tout 10 départements géographiques pays d'Haïti. C'est dans sens ça Martine Moïse lui-même lui t'est rendu visite dans l'hôpital Espoir dans Delma 75 pour mettre programme si là dans service maternité dans l'hôpital Espoir. Donc Darlene Dorival était présent, l'a présenté nous un reportage. Présence Martine Moïse dans l'hôpital Espoir dans Delma 75 inscrit dans cadre d'une démarche qui visait identifier tout petit monde dans pays là et spécialement petit monde qui fait fête yo. En dans l'hôpital Espoir, première dame République là mettait sous pied dans service maternité là programme identité qui portait nom comptez moins compter. C'est dans même rubrique identifier petit monde qui fait que jodi à nous là dans l'hôpital Espoir et moi merci docteur parce que li ouvri les bras, li ban espace côté pour mettre moun oni côté pour mettre moun archive nationale pour venir travailler pour que petit monde yo capable enregistrer. Et li ouvri d'autant plus grand pour que même maman qui pas accoucher la Kaili, si yo vle vin enregistrer ti moun yo là, yo capable venir dans l'hôpital Espoir. C'est code civil haïtien qui oblige tout parent pour déclarer quel que soit ti moun depuis yo fin fête. Une démarche qui visait identifier tout ti moun pour yo bayo baptisé. Droit pour identification, pour bien dire, droit pour chaque ti moun gagne un nom. C'est un droit fondamental. C'est dans sens ça. Martine Moïse mettait sous pied sous tout territoire national là programme identité qui pote nom comptez moins compter. Daline Dorival, Signal FM. Merci Daline Dorival qui t'a présenté nos reportages ici là pendant le temps dans l'hôpital là tout première dame République là t'es tout profiter pour sensibiliser population hein sous nécessité pour gagner un rapport sexuel qui responsable donc en cadre journée mondiale sida cap commémorer 1er décembre qui venir là première dame République là Martine Moïse encourager haïtien yo pour faire dépistage test sida yo dans quelques 60 qui t'a disponible dans pays a. On écoute Martine Moïse qui t'est dans micro d'Aline Dorival. M'a profité de micro ça pour lancer un autre message. 1er décembre arrivé journée sida. Le journée sida arrivé c'est le ça tout le monde parler de sida. Tout le monde va faire journée son seul mot va parler de sida. Le 2 décembre arrivé rien jusqu'à prochain 1er décembre. Non. Sida fait partie de quotidien nous mes amis. N'a vive avec n'a vive moun ki bon côté nous gien que nous pas connaît des fois moun nan gien tout propre tête parle pas connaît. M'a pas encourager tout moun faire des pistaches connaît statut nous pour nous capable agir sur ça. Nous fait test nous les négatifs c'est très bien tout moun content. Si le positif tout la vie pas fini parce que on parle dans centre côté qui a fait prise en charge pour ou on a besoin de médicaments gratis. On a besoin moun qui dans même situation avoir qui gon histoire presque même gens avoir. Nous yon ka raconter l'autre histoire.
le savoir prend pas pour contour et la plus facile pour faire route là ensemble avec au monde qui comprend nous et qui connaît son passé. Tant pis tout le monde, c'est pas pour 1er décembre non pour nous faire des dépistages là. Pendant toute l'autre année qu'a venir chaque année, sauf faire année ça ou qu'a refaire encore année prochaine, mais tout le monde qui pour faire tant pis année ça fait. Au moins n'a connaît et n'a agi responsablement. Voilà, on t'a écouté première dame République là, Martine Moïse. Bureau Office National Identification dans Fort Liberté manquait moyen pour la fonctionner. Il y a une situation qui ralentit considérablement service population sa ta de jeune pour faire quatre identifications nationales li qui c'est une gros nécessité journée jodi a. En entendant Edi Michel, correspondant permanent Radio Télésignal dans ville Fort Liberté. Plusieurs citoyens dans ville Fort Liberté qui continuent de dénoncer méthode utilisée au niveau Office National d'Identification ONI pour mon capable de trouver Capio dans Fort Liberté. Côté que mon obligé lever depuis 4 heures dans matin tombe pour aller en place alors qu'il y a un pile fois à laisser et qu'on veut à le faire. Là, nous avons parlé avec responsable BIOA, M. Fernando Deli. Lui, ça nous connaît qu'il y a eu plusieurs difficultés qui fait que yo pas capable bailler un service de qualité avec population en question renouvellement cap yo. Li parler de insuffisance personnelle yo gen au niveau des bureaux et puis deuxième ça a signalé qui bailler au fil à retard dans cap travail ça son question qui lié avec énergie parce que yo pas gen un groupe qui capable alimenter bureau au niveau c'est avec panneaux solaires utilisés depuis quand lui-même lui mauvais soleil n'a pas levé panneaux pas rechargé ça fait que c'est et avec gros difficultés c'est parfois c'est prise l'autre bureau qui dans environnement au niant bayo qui fait qu'il est capable lui mettre une seule machine qui fait que cette presse toute journée on a fait camper devant bureau ça population senti à bout de souffle avec question ça façon que il a utilisé pour renouveler 4 ans il demandé autorité dans l'état pour prendre disposition pour être capable aider mounio par rapport avec situation ça qui très très difficile. Par exemple, si on passe la matin, on prend pile monde masse devant bureau parce que il y a mauvais temps, soleil lent pas levé, c'est situation ça mounio a dénoncé, il dit qu'il faut que l'état prenne disposition pour porter modification. Métropole du Nord-Est, Edi Michel, Signal FM. Journal sans fausse côté. Merci d'être toujours été branché Radio pour la Signal FM 90.5 et puis sur www.signalfmhaiti.com pour informer dans l'ESA. Deuxième conférence écuménique sur migration dans le pays Caraïbes qui a démarré 12 novembre passé dans Port-au-Prince et Rivebout, rivé dans Boutli hier mercredi 15 novembre 2017 là. Plusieurs l'église et organisation chrétienne en République Dominicaine et en Haïti tout, te réuni dans conférence là, rivé côté yo rivé créer un réseau qui gagne 11 pays là-dedans pour objectif supporter migrants yo et puis attirer attention gouvernement sous nécessité pour toucher problème migration en écouter yon après l'autre Prosperi Raymond qui c'est directrice nationale Christian Aid et aka Fabiola Brignol qui c'est responsable plaidoyer World Vision Haiti des organisations chrétiennes qui supporter conférence là donc yo tenant micro Wesley Antoine plusieurs organisations qui là déjà à travailler avec migrants déjà. Par exemple, si ou même si un monde qui essaie d'émigrer pour la République dominicaine, on va toujours entendre parler de Centro Bono. Si un monde veut retourner sur la République dominicaine, on va toujours entendre parler de gars avec service jésuite. Donc, il y a plusieurs organisations déjà qui travaillent sur la question ça directement ou indirectement. Ça a fait là, je dis à la, pendant 3 jours, ça a une conférence, c'est garder comment ensemble, le cap mettre Dieu, pour le cap offrir meilleurs services, pour le cap plus bien et préparer et information, pour le cap informer les décideurs politiques, pour le cap plus bien inspirer et fidèle dans toute l'église que vous allez, pour le cap plus ouvert et plus tolérant par rapport à migrants. Par exemple, vous avez dit que l'église a, et par exemple, en République Dominicaine, si pasteur paix, et pas ouvert dans l'église yo yo parler que migration son bagay qui normal yo pour population kap pi bien recevoir moun yo ça veut dire ouais qui j'ai accueil la fait deuxième bagay que m'a dit tout moun qui voyage qui après la migration souvent moun qui pour venir yo qui est-ce qui recevoir yo son l'église que ce soit protestant que ce soit catholique qui recevoir yo nous d'accord avec moi mais c'est dans sens ça que y a gardé qui j'ai kap aidé. Dans une présentation que nous attendons là et que nous attendons pendant semaine, nous pourrait que gain de mission qui gagne par exemple Guatemala, Honduras, côté que gain de maisons d'accueil
et maison d'accueil ça a recevoir des milliers d'haïtiens pendant trois dernières années. Donc et là moun yo vini yo ba yo manger yo ba yo logement et moun ça arrêté pendant une bonne semaine. Vous semblez tout là, c'est un appui considérable. Y a regardé comment yo cap faire pour cap encourager moun yo tout, pas faire pas migrer tout le temps parce que c'est pas tout le temps on va migrer que le bon parce que il y a des risques là-dedans. Les baguana, moi contre un jeune petite dame pendant la venir, les payer moun qui pour faire passer mais yo violenté. Est-ce que ça me dit tout là? Il y a sept de bagages là. L'obligé retourner, vient accoucher, et puis le retourner encore, mais il a subi un pile. Ce qui veut dire que là où on est déplacé dans mauvaises conditions, il n'est pas forcément un bon bagage. Et bon, bâté, ça me visite, bon, le map dit ça fraîchement, je visite Mounio, bon, plutôt Mounio de l'été de la caille, parce que moi, la situation à vivre là, il est plus mal que la situation bon, ici. C'est juste pour me dire, c'est que. Ensemble de discussions, ça aussi l'organisation qui travaille sur thématique là déjà, qui a aidé à diminuer ou bien retirer souffrance le monde a essayé de partir. Et puis assurer tout que tout le monde n'est pas victime de la question de migration. C'est vrai que l'Église, même par rapport à la mission sociale, que le gagnant a engagé dans le combat ça, que nous avons mené contre le phénomène de migration. Mais c'est le moment tout pour nous exhorter le gouvernement de différents pays dans le Caraïbe, en particulier le gouvernement haïtien, pour vraiment en côté réponse à un problème, cause profonde et question de migration, pour une politique migratoire qui définit. L'autre dossier dans le cadre de caravane à changement dans le département Sidlan, ministre agriculture a distribué mardi passé des outils agricoles par cultivateur dans la commune la Chardonnière. D'après ministre Carmel André Béliard, des massas visées renforcer le secteur agricole dans la localité Sidlan. Plus de détails avec Valérie François depuis Ville Okaï. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Carmel André Béliard. Dans cette délégation, remettre matériel par plusieurs associations pêchées dans Chardonnière, jeudi mardi 14 novembre 2017, là, dans l'idée pour capable appuyer l'association pêchée, qui a fait effort après le cyclone Mathieu, c'est une côté aller, tout ça a été possédé. Ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural a annoncé pêchée, le gouvernement a un autre programme pour accompagner, yo, pour capable développer ce qu'est ça. En cours et des associations rejoignent puis gros bateau pour faire la pêche à construire marché poisson tout pour machinio et puis faire rejoindre moyen pour conserver. On est en train de faire un problème de sécurité routière. C'est ça qui fait que la vache, ce qui passe à nous et à nous, ça va rien. C'est un coup, par contre, quel est le sujet là? Ça va. Il travaille dans toute activité, tout que Arana a bien pour mener sous coupe. Ça, nous, on a mal distribué la journée, c'est ton petit travail. La petite bâtisse qui prend 20 équipements et matériel de pêche que Arana a bien pour commencer à distribuer tout, après encadrement et renforcement. Il est important pour nous dire que c'est la Banque interaméricaine développement BID qui finance le projet dans l'idée pour aider le secteur la pêche là développé dans trois départements, Sud, Grand-Anse et Sud-Est. Okaï, Valérie François, Signal FM. Merci beaucoup Valérie François depuis Ville Okaï. Chaque jour bon Dieu mette en pile monde continue à lever voyo pour dénoncer les affaires jeunes femmes avec garçons qui ont quitté le pays pour aller dans l'autre côté tant République Dominicaine, Chili, Brésil pour ne citer pays ça seulement. Dans un champ dans le département centre coordination secteur jeune dit yo préoccupé en pile à cause cela dans sens ça yo mandé responsable pays pour prendre bon genre de décision pour permettre jeunes yo même yo rete travail dans pays yo. Plus de détails à Fleura Josué depuis Ville Inch. Coordination secteur jeune MPP dit yo très préoccupé mais a regardé misère qui croise pied en dans pays yon. Permettre majorité jeune obligé parti quitter pays d'Haïti à bousquer la vie Saint-Domingue, Chili ou bien dans pays Brésil. Il peut connaître ça qui pique grave journée aujourd'hui, il a déporté Haïti dans pays Bahamas, c'est là qu'il vit dans pays Chili journée aujourd'hui, mettre babio à la trempe.
dans sens à jeune yo estimé li important pour autorité yo en dans pays a envisager disposition nécessaire pour créer travail en Haïti pour haïtien suspend quitter pays d'Haïti et bousquer la vie dans l'autre pays. En côté Jean Woodson qui se porte-parole secteur jeune yo comment t'a parlé. Malgré gros bruit klaxon, caravane qu'a fait la radio à télévision pour remettre l'argent, la majorité des paysans étaient sans carrément technique. Dans cette commune, c'est là, nous voyons créer un tracteur à l'auto-président, sénateur, député, alors que les outils sont fichés sur ma chair. Paysans à travail à son. Caravane là, c'est une grosse machine pour pagan. Réalité à monter. Quand il y a un système d'irrigation prêt, maladie à voler, empêcher les paysans, c'est le jardinage. Manger des pêches, manger poison, continuer à envahir les pays, empêcher l'État sans outil à rester avec bourgeoisie, action bonne, multinationale agroalimentaire. La vie chère a pété fiel, population engagée en état sans prix, car caler cette population a qui ont servi taxe qui va disponible. Administration publique là pour une à corruption, yon série s'autobré qu'a volé sans qu'elle saute parce que yon sympathisant pouvoir. Yon paquet valait en cours compétences, en été, moralité disparaît dans la société à côté l'agent drogue. L'agent sale, ville qui valait si près, et sa pays en bas, direction yon l'État, médium, yon l'État bandit, yon l'État incompétent, yon l'État irresponsable, capable de mentir drague. Ville 1, je plais à Josué, Radio Signal FM. Merci Fleura Josué. Député circonscription Mibale a lancé un appel by ministre agriculture sociale à développement rural là et Carmel André Bellia sous campagne hiver li même qui pour commencer si là. Député Abel Décolline a déploré gain plusieurs départements géographiques pays a donc et ministre li même li négligé dans cadre campagne hiver dans sens ça Abel Décolline mandé président République là Jovenel Moïse pour accompagner planter dans le programme si là en côté député Abel Décolline qui était dans micro Josué Lexidor. Nous avons attiré attention autorité au niveau pouvoir central là à commencer par le président de la République en passant par le premier ministre, surtout le ministre de l'agriculture des ressources naturelles. Gagner une tradition à travers paysan, à chaque fois, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement central, toujours venu en aide avec planteurs et travailleurs agricoles. Nous connaissons gagné plusieurs saisons, printemps et hiver. À chaque fois, gagné de distribution de semences qui fêtent et qu'on gagné de travaux, de curage, de rivières pour permettre que planteurs et travailleurs agricoles capables de travailler. Il arrive que depuis l'avènement du président Jospin Privé et le lancement officiel de Caravane, gagné un ensemble de départements non paysans, puisque moi, comme député Jovenel Moïse, comme député de Miambalais, ressortissant du plateau central, je ne suis pas le seul parlementaire qui plaignait, qui recevait de plaignait bon côté travailleurs agricoles et planteurs que yo pas recevoir semences. Dans le moment n'a pas les là, c'est normalement ça relait campagne hiver côté Mounio y a planté quoi. Gagné besoin pour yo joindre semences. Il arrive que à travers les 13 communes du plateau central, à travers la direction départementale de l'agriculture, pas gagné aucune disposition pour Baïmounio semences. Et ça nous signale là, gagné de collègues dans le sud-est, gagné de collègues dans le nord, une cité département Sayo, donc qui
constaté depuis plusieurs saisons. Donc, planteurs, yo, travailleurs agricoles, yo, yo pas gagné assistance ça qui convient généralement du ministère de l'Agriculture. Force est malheureusement de constater, c'est pendant que le président de la République, Jovenel Moïse, dit les gagnants volonté pour la relance de la production agricole. Or, nous constater si gagner des efforts qui fait pour assister planteurs et travailleurs agricoles, ce n'est que peut-être dans la zone côté caravane les présents. Pour le reste, tout le monde est oublié. Donc, nous lancer appel ça avec le président de la République. Non, si d'aventure, c'est le monde qui est dans la structure intermédiaire qui t'a qu'imbé ce mention, si c'est le monde qui est dans la structure intermédiaire qui n'a pas fait travail là, au niveau direction départementale du centre, au niveau PACIO, pour que vous connaissez que planteurs agricoles, travailleurs agricoles, il y a plein en pile, puisque distribution semences qui était qu'on fait et de l'autre matériel, yo pas joigno depuis plusieurs saisons. Donc voilà pourquoi nous t'avons attirer attention de autorité. Voilà, on t'a prouté député Abel Descollines. Gros la pli kap tombe dernier jour sa yo sous pays à la cause tronçon route qui relie Fatima ak Croix-Saint-Joseph li même l'écrasé habitant dans port de paix pa kasi ki le pour répondre ak activité yo. Dans sa sacha chauffeur qui a fréquenté route sa yo mandé autorité yo dans l'état pour prendre responsabilité yo. On suivre Johnny Avril correspondant permanent Signal FM dans ville port de paix. C'est lundi 13 novembre 2017 là, c'est avec grosse difficulté pour paysans 3e section Aubert, commune Port-Paix, fréquenter tronçon route Fatima Croix-Saint-Joseph là. Situation ça vini après gros la pluie qui tombait sur section ça dimanche 12 novembre 2017 là. Ça qui occasionnait chauffeur taxi moto pas capable de fonctionner, qui veut dire en haut pas monter, en bas pas descendre. À Daniel Kader, il y a un chauffeur taxi moto qui parlait à nous, expliquer dans l'éco-signal. Bon, définitivement, avec la visa qui tombe là hier soir, nous pas capable de faire rien. Avec en bas bloqué, en haut bloqué. Avec nous-mêmes qui déjà en haut, sans haut, nous étions. Chauffeur qui était en bas, Même si machin qui peut aller vendre, sortir la voie pour descendre, aller pour des pays, nous pas capable d'aller parce que la route là est fréquentable. La boue, nous pas capable de faire rien. Mais autrefois, le président pour des pays, il était dit comme ça. Et route ça, dans l'idée, de pour sortir pour des pays, pour monter en piton. Si c'est un bagage à faire pour nous-mêmes, parce que nous pas capable de fonctionner, maintenant nous faisons un travail d'urgence pour nous, pour nous être capable de regarder qui se coule, de capoter pour nous, de faire une solution par rapport à tout ça. Parce que si nous avons des malades, nous n'avons pas besoin de transport pour nous porter aller. C'est ça veut dire que si nous n'avons pas besoin de prendre un support, ou bien sous cadre pour porter aller à l'hôpital, laisse aller, nous n'avons pas de mourir, nous n'avons pas de mourir. Et actuellement, dans la croix, il y a une maladie là. C'est diarrhée, vomissement qui est choléra, tout va fréquenter. Si on compte qui fait fouet en pile, alors s'il y a fait un calcul pour nous, on va demander pour faire un calcul avec une urgence pour nous, s'il vous plaît. Donc, nous dit, plusieurs paysans, zone ça, nous rencontrer, nous prenons note sur déclaration, chef l'État, Jovenel Moïse, était fait sur place cathédrale Port-Péa, semaine Papouéa, concernant tronçon route ça, mais était mentionné la privée. Ensuite, troisième section au bien, commune pour de paix. Johnny Avril, réseau mondial, signal. Merci Johnny Avril. Dans une note, il mettait d'ailleurs ULCC, il voulait encourager tout magistrat République là. Donc ça yo qui dans collectivité territoriale là dans cadre lutte, il a mené contre corruption dans pays. Donc dans note, il mettait d'ailleurs en présence magistrat dans la Tibonite, président association maire dans la région AMA, Franz Ulysse, directeur général ULCCA, Major David Basile, li lancé mardi 14 novembre dans l'hôtel Village Henry. Deuxième sortie, série séminaire formation avec information sur lutte contre corruption dans différentes communes qui déroulaient sous thème vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre la corruption. C'est une question pour Major David lui-même, li fait dans session ça, dans session formation ça, avec information ça pour le sensibiliser élus locaux sous application normes éthiques de bonne gouvernance locale là pour yon pouvoir saine gestion sous ressources publiques. Li reflète principal intégrité et transparence dans cadre formation si là, il t'a pas fait avec magistrat nan
dans la Tibonite. Tout ça, c'est pour renforcer légitimité administration et puis pour favoriser participation et toute magistrat dans affaire commune yo. Donc major Mazid David l'été remercier magistrat la Tibonite pour présence yo dans symposium de jour ça l'été organisé. Donc à côté symposium ça lui-même était inscrit dans cadre périphérie route et pédagogique à travers République là. Pour un bénéfice magistral. Séminaire ça encore dans même communiqué ça, il était unique, il était souligné et objectif lui c'était aider pour faire face à enjeu lutte contre corruption lui-même dans collectivité territoriale. En pile monde connaît affaire corruption ça lui-même c'est lui qui a brassé bill pays dans même note ça. Donc major David Basile il était manifesté intérêt pour que il local lui-même donc yo réélu dans élection ti sorti dans fait élection yo là yo gagne une situation pour yo travailler pour permettre commune yo même yo autonome là d'ailleurs pour prendre toute décision pour répondre à besoin habitant yo dans même note ça David de Basile li même li mette de yo dans cadre séance formation l'état fait pour élu local yo non et la Tibonite. Donc c'est dans même souci ça David Basile dans même note ça il fait ses soucis et expérience sous gestion administration locale là qui entre dans cadre moralisation publique qui permet à ULCC de même li travaille dans politique prévention pour lutter contre corruption. Major Basile li mette accent tout sous obligation pour magistrat yo rempli formulaire sous déclaration patrimoniaux et qui exigé d'après loi 12 février 2008 qui régit dans matière si là. Ensuite, pour le faciliter exercice là, ULCC déjà organisé une formation dans intérêt de cadre Fédération nationale maire d'Haïti, FENAM, et ensuite pour encadrer magistrats dans tout le pays. Pendant l'alta pour la parole dans l'ouverture du séminaire, magistrat adjoint Saint-Marc-Lan, M. Franz Ulus, lui-même l'été et qui est président à AMA. L'été salue l'initiative ça et puis l'été tout fait ULCC qu'on est travail la FEA est très bon pour renforcer capacité administration hein, et puis pour permettre collectivité territoriale là même yo gain plus zam pour yo goumen contre corruption dans toute administration yo. Donc séminaire ça li souhaité pour tout monde pour toute élu local yo même pour tout un fonctionnaire dans collectivité territoriale en particulier pour cadre dans administration publique là de même yo gain un nouveau souffle dans manière pour comprendre exercice là et ensuite suggestion a fait dans un communal pour permettre population à lui-même les joindre satisfaction et puis pour projet yo même hier les yo mettez projet dans communion pour permettre projet ça yo bien passer pour Kobio pas faire route cocher si tout nous connaît lutte cap mener contre détention et lutte cap mener contre corruption dans pays si tout par rapport avec dossier et parlement ça lui-même sous gestion ancienne et équipe yo qui est toujours à mal gérer et pays qui toujours prend cop tout a fait gaspillage l'argent ça à qui la cause pays lui-même li et toujours gain gros difficulté pour ta gain projet qui fait un projet de développement qui fait pour payer lui-même l'état gain yon souffre pour permettre payer tout l'état aller vers l'avant et ensuite pour ta continuer goumen contre corruption lui-même qui toujours a pas crasé bill pays à Serge Saint-Fleur. Donc c'est comme ça la situation y est. Donc n'a pas à poursuivre encore pour nous finir et nous pourrons finir avec un journal là c'est la mettre en bout mais avant nous toujours faut connaître tout résultat basket NBA qui gagne. Nous connaît grand pile monde qui c'est fanatique basket NBA yo toujours besoin connaît ça qui a passé à travers tout match qui t'est joué. Nous gagnons elle les Lakers les mêmes qui t'est joué avec Philadelphie. Donc elle les Lakers li perdi 109-115 devant Philadelphie et qui donc pour 6 points différence Philadelphie li bat elle les Lakers 115-106 et puis gagne Portland lui-même qui bat Orlando Magic 99
AK-94. Qui donc, Orlando Magic li perdit devant Portland qui bat li pour 5 points différence, 99-94. Et ensuite, gagnant tout Charlotte li même qui perdit devant Cleveland. Cleveland li bat Charlotte 115-107 pour 8 points différence. Et ensuite, encore gagnant Memphis qui tombe devant Indiana 113-116. Qui donc Indiana lui-même pour 3 points de différence, les bat à Memphis 116-113. Gagnant Milwaukee Bucks qui perdit devant Detroit. Milwaukee Bucks, disons, qui bat à Detroit 99-95. Un match qui était très serré entre Milwaukee Bucks et Detroit. Milwaukee Bucks, lui-même, il a fait 95 points. Et puis, Detroit a fait 95 points. Et puis, Milwaukee, lui-même, il a fait 99 points. Donc, pour 4 points de différence, Milwaukee bat à Detroit. Et ensuite, gagné San Antonio Spurs, lui-même, qui perdit devant Minnesota. Donc, un match qui était très serré tour. Minnesota li bat San Antonio 98-86. Donc, un match qui était très, très, très serré, presque 12 points de cas entre San Antonio li même qui perdit devant Minnesota. Donc, ça, je pense que fanatique San Antonio a un gros qui a sauté parce que San Antonio, depuis saison ça, a gagné plusieurs matchs, li déjà perdu. D'après poursuivre, gagne Nouvelle-Orléans, lui-même, il est tombé devant Toronto Raptors. Toronto Raptors, il bat à Nouvelle-Orléans 125-116. 125-116. Donc, 9 points de différence. Toronto Raptors, il bat à Nouvelle-Orléans. Et encore, gagne Oklahoma City qui bat Chicago Bull. Oklahoma City li bat Chicago Bull 92-79. Donc, ça a son match qui était très serré tout. 92-79, li pat dépassé bas 100 points. Hein. Donc, match ça. Et Orlando et Oklahoma li bat Chicago Bull 92-79, donc presque 12 points de différence, même lorsque le match est très, très serré. Et ensuite, donc ça sont massacre. Atlanta Hawks lui-même li bat Sacramento Kings. Atlanta li bat Sacramento Kings 126-80. Donc ça sont gros match. Donc, Atlanta, lui-même, le jeu là, ça permet à 46 points différence. Et Sacramento, lui-même, il perdit devant Atlanta 126-96. Donc, ça, son match de tête chargé. Et ensuite, il y a Miami qui tombait devant Washington Wizard. Miami, il perdit match ça 102-93. Miami fait 93 points seulement. Et puis, Washington Wizard, lui-même, lui fait 102. Donc, il y a un match à 9 points différence pour Washington Wizard. Et ensuite, dernier match qui était joué hier soir dans basket NBA, c'est New York Knicks qui bat Utah Jazz 106-101. Utah Jazz a perdu devant New York 106-101 pour 5 points différence. Et l'autre match qui a gagné pour Asoya dans le basketball NBA a gagné 2 matchs seulement. C'est après Golden State qui a joué à Boston. Donc, ça a pris un très bel match puisque nous connaissons Boston là, lui-même, il y a quelques jours là, c'est match affilé. Presque 7 à 8 matchs affilés lui-même, il fait dans le cas de victoire déjà remporté. Donc, il prend le jeu avec Golden State tout lui-même. Il y a une très belle équipe qui a gagné longtemps. Donc, il fait que ce champion dans NBA là. Et l'autre match qui a gagné à 10h30, a gagné Houston Rockets qui a joué avec Phoenix. Donc, c'est deux matchs seulement qui a gagné pour assurer dans le cadre basket NBA Serge. Donc, c'est là, nous arrivons pour nous mettre un bout dans le journal, signal sans force à côté. Donc, mais avant d'aller dans le propre titre, qui te fait essentiel, journal, c'est là, Serge. Port-au-Prince lance un mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard, ancien ministre de justice et sécurité publique là, pour mettre la patte sous lit, quel que soit côté la police, ta joindre monsieur Sila. Yon copie mandat ça déjà à la joindre direction départementale l'Ouest PNH DDO.
Commission justice sécurité à droit moun nan chanman bas la rencontré ayema mercredi 15 novembre l'an ministre justice à sécurité publique l'an. Rencontre l'an te déroulé sous divers points parmi yo lit contre détention préventive prolongée ya. Ministre justice l'an annoncé la pren sanction contre tout si petit commissaire gouvernement qui t'a impliqué dans libérer trafiquant moun yo la dan ou te gen un paquet timiné. Ministre Edi Fortuné fait connait tout pas gain ken côté pas gain ken trace qui monter Jean Danton Léger te bay l'ordre pour libérer trafiquant moun sa yo dans cadre dossier Kaliko Bicha. Nous connaissons même ça dossier ça li fait en pile parler à travers yon rapport qui laisse Delva li même l'été mettez dehors. Haïti Petro-Caribe ancienne ministre tourisme Stéphanie Balmiville doit déclarer sénateur commissaire yo longe douette sous livre très mal. Donc un rapport si là li pas impliqué la donne. Ministre Balmi fait qu'on ait 13 erreurs gravement dans document si là. Première dame République là Martine Moïse visite hier mercredi à l'hôpital Espoir dans Delma 75. C'était une visite qui entrait dans cadre démarche Martine Moïse lui-même l'a mené pour mettre programme identification tout le monde quel que soit le monde été fait déjà. Donc il a permet tout le monde ça même yo gagné un acte de naissance ça yo relé Baptiste à Serge Saint-Fleur. Haïti est membre du Conseil international coordination programme sous monde ak biosphère MAB dans UNESCO dans cadre yon élection qui était organisée 9 novembre 2017 là dans siège social UNESCO dans Paris dans pays la France. Haïti remporté avec 116 voix sur 156. Plusieurs organisations haïtiennes droit moun parmi yoga ak service jésuite réfugié yo remettent mardi 14 novembre yon pétition qui gen 13 000 signatures là-dedans by ambassade américaine nan taba pour mande gouvernement américain prolonger TPS nan pour haïtien yo ka vive la caillou yo nan pays États-Unis. C'est titre à quelques autres encore qui te fait essentiel journal signal sans force côté pour jeudi 16 novembre 2017 là. Ce journal ça lui-même il est arrivé possible grâce à Cassi pour toute équipe salle nouvelle là. Donc manager technique c'est Serge Saint-Fleur, production Ferro des sources, coordination toujours Josué Lexidor, en bas supervision Tom Dumont. Rédaction Arnold Dorcius et encore présentation c'est toujours lui-même Arnold Dorcius.